Là, c'est complètement fou qu'est-ce qui se passe. Hein? Ça règle absolument rien. Ça déstabilise le réseau. Les lois de Barrette, là, c'est une catastrophe. C'est vraiment une déstructuration du réseau public qui va favoriser le développement du privé. Je viens d'écrire un texte là-dessus pour un livre canadien sur la privatisation, privatiser en privant, tu sais. Ce que plusieurs soulèvent actuellement, la question du temps consacré aux malades. Les objectifs numériques, ça ne peut que nuire à la qualité. Si vous devez passer tant de malades à l'heure ou à la journée, peut-être que vous ne prendrez pas le temps qu'il faut pour écouter. T'sais, quelqu'un racontait dernièrement l'histoire d'une personne, une immigrée, là, qui avait des maux de ventre absolument incroyables. Elle consultait depuis longtemps, avait eu plein d'examens, assez souvent des scans qui coûtent de l'argent, là, tu sais, tout ça. Puis la médecin qui racontait ça dans le journal dit, je me questionnais, je me suis mis à la questionner beaucoup plus sur son passé. Là, elle a découvert que cette femme-là avait été violée brutalement, puis qu'elle était restée traumatisée, a toujours eu mal au ventre après. Donc, ce qu'il fallait, c'était une thérapie mentale, tu sais. Mais ça, ça se décide avec le temps. C'est pas passer trop vite la castonguette, là, qu'on peut régler ça. Mmh. Tous les cas de toxicomanie qui ont des histoires sociales compliquées, ça peut être très simple, la médecine, mais ça peut être très compliqué. Mais qu'il n'y ait pas de contrôle de la pertinence, je reviens à mon histoire de ce qui était prévu dans la loi initialement, qui a été retiré, c'est un problème aussi. Mais il y a comme un choix à faire aussi entre des contrôles tracassiers et des contrôles professionnels.